Avec Mif, dans cette vidéo, pour une fois, cette fois-ci, on n'est pas sous le ring de boxe, mais on va être sous la barre de fer. Je vais vous montrer comment je suis passé de ce physique. À ce physique en 30 jours seulement. Let's go. La Big Mif, je vous emmène avec moi à la salle et dans cette vidéo, je vais vous partager ce que je vous cache depuis maintenant un mois, comment j'ai obtenu ce nouveau physique. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait, ce que j'ai mis en place, ce que j'ai arrêté et une petite partie de mon entraînement. Comme vous le savez, là où je m'entraîne, c'est la salle du moment, la salle la plus prisée de Dubaï. Et je me trouve au Benous Gym, juste là. Donc c'est là que ça va se passer aujourd'hui. Et je vous montre l'entraînement, comme je vous disais. Bon, là, je vais commencer parce que je préfère le plus. Les pectoraux, petit échauffement tout doucement. Et après, on va monter crescendo. C'est parti. Là, j'étais à la barre, développé couché. Je vais faire la même chose avec des haltères. Pareil, sur le chauffement, donc je ne vais pas prendre lourd. 20 kg, c'est très bien pour commencer. Let's go. Je sais pas, pour ceux qui me connaissaient déjà un peu avant, connaissaient mon corps, j'avais pas la démarcation là entre l'insertion de mon épaule et mon biceps et mon triceps. Là, elle se voit beaucoup plus, même si je contracte pas. On la voit beaucoup plus. Et ça, c'est grâce au travail. Bon boulot. Je suis satisfait. Et fais un zoom sur la vache Kiri. Et on finit close. Pressé de manger. J'ai faim et j'ai soif. Mais là, d'abord le boulot. Ok. Là, je vais vous montrer une partie, pas totalement, mais une partie de ma nouvelle routine d'épaule. Ce qui m'a créé la démarcation là. Donc, vous allez peut-être être étonné, mais croyez-moi que pour les épaules, il n'y a pas besoin de prendre lourd. Là, j'ai 2 fois 5 kg. C'est largement assez pour bosser. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramener une fois à l'intérieur un bras, l'autre bras, en tournant volontairement le poignet. Les deux en même temps et sur le côté. Boum, hauteur d'épaule, voilà bien.
détendu. Ça, c'était une. I love you, exit. Durant ces 30 derniers jours, j'ai vécu une transformation physique intense. Ce qui s'est passé, c'est que en ayant mon quotidien, ma vie de famille, mon travail, mes business, mes différentes activités, je me suis légèrement laissé aller et je ne me suis pas rendu compte que mon corps changeait, mais ça dans le mauvais sens. J'ai eu le déclic un soir, tout simplement, en rentrant chez moi, une fois de plus pour finir ma journée en travaillant sur mes réseaux sociaux, je me suis tout simplement affalé sur mon canapé et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais grossi tout simplement. Mes pectoraux tombaient, j'avais un ventre gros, rond, qui n'était vraiment pas esthétique. Et là, vraiment, je me suis dit, il fallait que je me reprenne en main, il fallait que je fasse quelque chose et que tout simplement, je reprenne vraiment une activité physique correcte, une alimentation pareil structurée, un cadre de vie beaucoup plus sain sur tous les aspects. Comme beaucoup d'entre vous, je sais qu'on a tous un travail, une vie de famille, des occupations, des business, des activités, et qu'il est très dur de trouver d'allouer 1h30, 2h d'entraînement par jour. Mais, une fois de plus, c'est pour notre santé, c'est pour notre bien-être, c'est pour notre longévité et tout ce qui en découle. Donc moi-même, je suis dans cette situation, je suis toujours à droite, à gauche pour faire avancer mes activités, mon business, mes coachings, moi-même, mes entraînements, ma carrière de boxeur, etc. Et malgré ça, il est très difficile pour moi d'avoir une routine et une hygiène de vie adéquate. Mais, comme je vous dis, en ayant vu vraiment les résultats de mon corps en train de décliner, il fallait vraiment que je trouve une solution pour me relever. Donc, c'est ce que j'ai fait pendant 30 jours avec la méthode que j'ai appliquée durant ces 30 derniers jours et que je vais vous partager tout de suite. Vous allez également pouvoir obtenir des résultats en peu de temps. Il n'y a pas vraiment de formule miracle, il n'y a pas de truc très extravagant. C'est des trucs que vous connaissez sûrement, que vous avez déjà entendu et qui se répètent. Et moi, aujourd'hui, j'en suis la preuve vivante que ça marche en seulement 30 jours. Pour certains, ça, il va falloir 60 jours. Mais à partir du moment où vous posez vraiment les efforts et que vous sacrifiez pour certains d'entre vous les excès, vous allez pouvoir obtenir des résultats très rapidement. Donc, les trois choses que j'ai modifiées durant ces 30 derniers jours, la première chose que j'ai changée durant ces 30 derniers jours, c'est ces petites boissons gazeuses qu'on aime tous, qu'on prend soit par habitude, soit par plaisir, soit lors d'occasion. Il faut savoir que j'avais cette mauvaise habitude de boire au minimum une canette comme celle-ci par jour. Et ces 30 derniers jours, j'ai réussi à faire l'impasse sur du coup ces mauvaises habitudes que j'avais enregistrées dans mon quotidien. Donc, plus de soda dans mon alimentation.
Ça, c'est la première chose que j'ai changée. Pour certains d'entre vous, ça va être peut-être le grignotage. J'en sais rien, manger du Nutella ou manger des madeleines. Voilà, ces petites habitudes que vous avez dans votre quotidien qu'il va falloir changer. Certes, c'est plaisant, mais c'est un plaisir éphémère. Et sur le long terme, ça va plus vous desservir que vous servir. Donc pareil, moi, pour ma part, ça a été le coca. Pour vous, ça va être d'autres choses, mais voilà. J'imagine qu'on a tous un petit péché mignon et que nous savons d'ailleurs qu'il faut arrêter. Et ça va du coup être l'occasion. Ce que je vous recommande de faire, pour ceux pour qui ça va être très difficile de retirer du coup les aliments sucrés, les mauvaises habitudes, ça va être du coup de remplacer les mauvais aliments par les bons aliments. Donc tout ce qui est produits transformés, boissons gazeuses, des chips, du Nutella, des gâteaux, etc., on retire tout ça et du coup on passe à des aliments qui sont naturels, qui sont pas transformés. Donc des fruits, salade de fruits comme ceci, simple à faire. Facile à trouver, facile à acheter, c'est pas très coûteux et c'est accessible à tous. Cette deuxième chose que j'ai changée dans mon alimentation durant ces 30 derniers jours, ça a été le fait de manger plus de protéines à chaque repas. Donc là, par exemple, vous avez 150 grammes de viande et de poulet. Là, du coup, on a 150 grammes de viande et de poulet. À chaque repas, du coup, je mange deux fois plus de protéines que j'en mangeais avant. Donc ça va vous permettre du coup de construire beaucoup plus de muscles, de le maintenir et de ne pas perdre à chaque fois. Parce que comme vous le savez, j'effectue également du cardio avec mes entraînements de boxe. Donc les protéines vont permettre à votre corps du coup d'éliminer la graisse et de garder toute la masse musculaire. D'accord? Donc j'ai doublé mon apport en protéines. Pareil également pour construire du muscle, d'accord? Plus qu'autre chose. Ce qu'il faut savoir également pour les protéines, c'est que le système demande énormément d'énergie pour du coup digérer les protéines. La viande comme celle-ci par exemple. Donc ça demande énormément d'efforts et ça vous permet du coup de brûler de la graisse sur le long terme. D'accord? Et le troisième aspect que j'ai changé du coup durant ces 30 derniers jours, ça a été le fait d'être accompagné par un coach sportif. Je suis moi-même coach sportif, mais j'ai fait appel du coup à un de mes confrères pour pouvoir du coup me guider, me structurer, me pousser afin d'obtenir un maximum de résultats en peu de temps. Je suis moi-même coach sportif, je sais exactement ce que je dois faire, ce que je dois mettre en place pour me transformer, pour transformer les personnes que j'accompagne. Mais c'est vrai que c'est un gros plus, c'est vraiment bénéfique d'être accompagné par quelqu'un qui vous pousse dans vos retranchements, qui vous pousse à aller plus fort, qui vous pousse à exceller, à donner toujours une répétition en plus, des efforts en plus, et à obtenir forcément plus de résultats. Donc ça a été un gros game changer pour moi, c'est un gros boost durant ces 30 derniers jours et c'est ce que je vous recommande à travers tous ces conseils, également de vous faire accompagner, de vous faire pousser par un coach sportif. Et par la même occasion, c'est tout bête, hein, mais le fait de devoir rendre des comptes, de ne pas pouvoir se permettre de faire des écarts, d'accord, de devoir envoyer son assiette à son coach, voilà, de lui dire ah mince, hier soir j'ai fait tel écart, désolé, je suis tombé. Et forcément, le lendemain, il fait payer la séance qui suit. Généralement, se mettre dans le rouge nous-mêmes volontairement, on n'y arrive jamais. C'est pratiquement impossible. À part si vous êtes David Goggins, si vous êtes un peu fêlé. Mais voilà, quand on a quelqu'un qui nous accompagne, qui nous pousse, ça nous aide énormément. Ce que je vous propose, c'est en 30 jours effectuer une transformation comme je l'ai effectué 30 jours et pas un jour de plus. Pour cela, ce que je vais mettre en place, c'est bien évidemment un suivi personnalisé. Donc, je vais vous demander vos mensurations avant de commencer. Je vais vous demander votre poids, des photos de vous pour qu'on puisse faire un avant-après de dingue. Sachez que tous les jours, vous allez devoir être assidu et m'envoyer chaque aliment qui rentre dans votre bouche. Je vais voir toutes vos assiettes, tous les efforts que vous mettez à la salle, les exercices, le temps de la séance. Je veux vraiment savoir et connaître tous les détails. Dans ce plan personnalisé, vous allez recevoir la séance adaptée à votre morphologie, à votre type, à vos objectifs, à vos attentes. On va aller vraiment en détail avec vous et ce que vous voulez obtenir. Donc le nombre de séances à réaliser par semaine, les aliments que vous allez devoir supprimer, les aliments que vous allez devoir manger, les séances cardio que vous allez devoir effectuer, votre poids bien évidemment sur la balance, vos différentes mensurations de la tête aux pieds. Ça va être vraiment un bilan complet, un suivi personnalisé de A à Z. Et en 30 jours, vous allez tout simplement effectuer une transformation de dingue comme la mienne. Mais attention,
Les places sont limitées, bien évidemment, afin que je puisse accompagner mes élèves dans les meilleures des conditions. Je ne vais pas prendre plus de 10 personnes et j'échangerai avec vous directement via WhatsApp quotidiennement. Donc si tu es déterminé, tout ce qu'il te reste à faire, c'est de cliquer sur le lien qui est dans la description et je choisirai les 10 plus motivés d'entre vous. Donc c'est à vous de jouer, let's go!